Ouais, l'équipe, encore une fois, je me suis exporté, bordel. God damn, aujourd'hui, les gars, on se retrouve totalement sur Paris. J'ai une putain de tête de mort-vivant parce que hier, j'étais à un show qui était vraiment hardcore. Il y avait Slime Cito, Implacable, Six Trilogy, Big B, tout ça, il y avait du monde. Je vais vous mettre quelques images maintenant parce que réellement, ça vaut le coup, les frères. Pour ceux qui connaissent pas, même, allez écouter, let's go. Alors vous avez vu la dinguerie quand même, franchement c'était bien lourd, en plus j'ai pu m'allumer un peu là-bas sur scène et tout, frère, c'était n'importe quoi. Ça a vu des abonnés et tout, enfin bref, on est ensemble les frères, vous savez déjà. Aujourd'hui c'est quoi le programme? Comme vous l'avez vu dans la vidéo, le titre ça doit sûrement être un truc en mode de comment se mettre bien à Paris, tu vois. Que réellement c'est pas compliqué, moi-même j'habite pas ici et pourtant je maîtrise cette ville du bout des doigts. Enfin non, je raconte des conneries, je me perds trop facilement, mais bref, ça on ne dit rien à personne. En tout cas moi les gars, j'ai un petit air juste ici, tu vois. Pas du tout mangé encore, ça veut dire il va falloir choper un petit peu à graille. De trouver un petit endroit pour se poser tranquillement, allumer cette merde dans Paris, quoi. Le jeune SKRT est totalement en train de gazer cette capitale, tu sais déjà, frérot. Voilà, les gars, en attendant, je vous le dis maintenant, si vous voulez soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En ce moment, YouTube, il me met totalement des bâtons dans les roues, c'est des gros chiens. Voilà, n'hésitez pas à donner la force vous-même, d'aller sur la chaîne, liker, commenter, tout ça, vraiment, ça fait plaisir. Moi, je vous embête pas plus longtemps, les frères, on se retrouve totalement in the street. Enfin, juste avant, on envoie l'intro. God damn, nous voilà un peu dans la street. Les gars, moi je vous dis, là pour l'instant j'ai un Airbnb, je suis à Belleville les gars. Voilà, je sais pas ce que ça va choper à graille, mais je sais que si ça me rend ouf, parce que t'as des trucs genre on dirait des stands carrément. Enfin c'est des petits magasins, tu vois, fast food. Tu peux venir, prends ton poulet en 2 minutes, frérot, il est prêt, tu vois. Tu prends à emporter comme as, tu te poses, enfin, genre c'est trop rapide, tu vois. Mon cerveau il dit non, c'est pas possible, tu peux pas faire aussi rapide pour des trucs comme ça, tu vois. Bon là je suis à un petit lieu que je voulais vous montrer les gars, parce que franchement quand j'étais juste en train de passer par là au hasard, et genre quand j'ai vu ça j'étais en mode putain de merde, c'est quoi ce spot de fou, tu vois. Littéralement il y a que dans ce genre de ville que tu trouves des spots comme ça avec des vues de baiser juste en marchant, frérot, c'est nimp. Là il me semble que je suis au parc de Belleville, tout simplement ça s'appelle. Voilà, carrément je sais pas si on va bien voir, il y a la tour Eiffel juste là et tout, on voit les monuments d'ici les frères, c'est vraiment incroyable. Et juste en dessous du coup bah c'est plein de petits escaliers, des petits sentiers, des petits trucs et tout, franchement c'est vraiment très lourd. Hein. Ah oui, regardez-moi ça ici, il y a tous les monuments de Paris qu'on peut essayer de revoir sur la putain de vue, regardez-moi ça les frères. Non, franchement, c'est quand même une belle vue, tu vois, si tu veux te poser tranquille avec un tarpé, frérot, bah là, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. Eh les frères, je tiens à vous dire, quand je fous des autocollants, venez pas les enlever, hein. Tous les gens qui les volent et tout, dans tous les pays, les frères, on vous voit, bande d'enfumiers. Et bientôt, ça va être disponible pour ceux qui attendent, il y aura plein de couleurs, plein de trucs, il y aura des cadeaux, des trucs, les frères, vous allez être régalés, vous inquiétez pas. Bon
voilà les frères, là je suis posé, tu connais, dégustation sous donuts de poulet les gars, comme je vous disais, vraiment c'est une dinguerie, t'as ça partout tu vois. Là je suis posé dans un petit truc, c'est vraiment rapide, en 2 minutes les frères, vraiment c'est très très chaud, donc voilà les gars c'est parti. Hein. Ah oui non les frères c'est vraiment une dinguerie, ils sont fait en mode une sorte de cordon bleu carrément à l'intérieur. Non franchement c'est bien hard, quand vous connaissez le prix les gars, c'était genre 2€ le donuts de poulet, voilà la sauce elle est gratuite et tout, non c'est n'importe quoi les gars, franchement le repas il est lourd. Là je viens de rentrer dans un petit magasin japonais les frères, chinois tout ça, exotisme à balle les frères, à chaque fois je suis obligé de passer dans ce genre de truc, c'est un délire. En fait le quartier là je le connaissais pas forcément tu vois, mais quand je me suis baladé un peu, quand je suis arrivé tout ça, j'ai capté c'est un quartier vachement chinois tout ça, donc t'as un maximum de supérettes et de trucs comme ça, donc moi ça m'arrange de fou. Voilà moi je vous jure en fait juste pour la culture tout ça, je kiffe trop rentrer dans ces magasins, voir comment ça se passe, les packaging, les trucs et tout, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui graille et tout, enfin c'est incroyable tu vois. Non là j'ai trouvé littéralement le magasin de l'exotisme les gars, c'était écrit vraiment supérette devant et tout en mode normal. Sauf que t'as tout dedans là, je vois il y a carrément un côté poissonnerie, il y a un côté primeur, il y a des sauces, il y a des pâtes, il y a des ramen, il y a tout les frères, c'est n'importe quoi. Bon les frères, moi je suis de retour à l'appart en 2 spi là, j'ai été posé ce que j'ai pris. Je vous avoue moi je suis un ouf, hein, je suis vraiment le meilleur Yankee dans ce genre de truc parce que littéralement j'aime trop ça l'exotisme, tu vois, ça veut dire juste tu changes de packaging, tu mets un jus d'ananas, tu vois, bah moi j'achète, tu vois, parce que le packaging est différent frérot, je suis un pur Yankee, franchement je l'assume. Mais bon au moins avec ça en vrai je fais des belles découvertes, hein, franchement des fois je tombe sur des sodas frérot, des trucs incroyables, donc je vous conseille de faire de même en vrai, c'est toujours sympa d'aller tester des trucs, tu cherches dans les boutiques, les bails et tout. Enfin bref les amis, on se retrouve dehors tout simplement, je vais aller je sais pas dans un petit parc à côté ou quoi, je vais vous montrer qu'on peut s'en fumer chill dans Paris tu vois. Allez let's go. Ok les frères, bon là j'arrive aux abords du parc, tu connais, ça veut dire ça va être en vrai comme les vidéos où on se balade ou les trucs comme ça tu vois, là ça va être full découverte dans un lieu que je ne connais pas. Vais-je pouvoir me gazer, vais-je pouvoir faire mon bail tranquillement, on va bien voir les frères. Oh par contre déjà ce que je vois, il y a l'air d'avoir une vue de baiser les gars, putain on va se mettre plutôt bien. Bon, je suis en train de voir, on dirait qu'il y a quand même pas mal de monde à l'intérieur. Des gens qui se baladent, des gens qui font des activités et tout. On va aller voir, de toute façon, il n'y a que en allant voir qu'on verra comment ça se passe. Bon, je sais pas du tout comment ça se passe dans le parc, les gars, ça a l'air vraiment énorme, comme vous avez vu, il y a une sorte de falaise, carrément, on dirait, c'est trop fou. Vraiment, Paris, c'est trop fou, parce que, enfin, frère, en fait, c'est tellement grand, tu peux avoir des endroits comme As, tu vois, tu téléportes, littéralement, tu téléportes, t'as l'impression d'avoir changé de zone, frérot, donc franchement, non, c'est bien fort, on va aller visiter tout ça, hein. Bon, ça m'a l'air quand même vachement pas mal fréquenté, hein. Vous pouvez voir tout autour de moi, il y a des gens, il y a quand même pas mal de monde, tu vois. Moi, je suis pas trop le genre de personne à allumer un gros gaz comme ça et s'en battre les couilles des gens, tu vois. Bon, je sais pas, je vais essayer de marcher. De toute façon, il y a de la place, en vrai. Il y a bien des endroits où c'est un peu plus chill que d'autres, je pense. Par contre, c'est vraiment magnifique, hein. Franchement, les gars, je sais pas si je vous ai déjà dit le nom. Là, je suis tout simplement au parc des Buttes Chaumont et franchement, c'est très très fort, hein. En vrai, ça me rend ouf tellement la vie, elle est différente, frérot, d'un petit qui grandit en campagne et un petit qui grandit genre à Paris, tu vois. C'est littéralement le strict opposé les gars, parce qu'il y a tellement plus d'activités, de trucs à faire, à voir, à apprendre et tout. Je pense en vrai tu te développes 15 fois plus vite tu vois. Enfin les gens même que j'ai rencontrés ici, tu sais, genre à 25 ans ouais ils ont déjà leurs idées et tout, ils sont tous un peu dans des trucs vraiment précis. Alors que ouais franchement de mon côté à la campagne, bah mes potos tu vois c'est plus le truc basique un peu, essayer de faire des études, si ça marche pas t'as l'usine tu vois. Enfin t'as capté, c'est la voie simple en fait on va dire. À Paris t'as beaucoup plus ce truc de pouvoir se développer plus facilement et tout, putain mais regardez-moi ça les gars, franchement incroyable le lieu. En fait j'ai même pas besoin d'allumer un gaz, hein. Moi personnellement je me plais bien comme ça, bon je vais l'allumer quand même pour ce foutu contenu vidéoludique tu vois, mais là franchement juste en balade comme As on est bien, hein. Franchement on est bien. Ah bien. Allez mon dieu, yes, bien ouais, bien ouais.
Là, les frais, ça devient complicado, il commence à pleuvoir, j'ai même pas pu allumer ce gaz. Et franchement, il y a du monde, hein, je vous avoue, tu peux même pas trop te balader, t'as capté, enfin, tu croises des gens, tu croises, il y a de tout âge, t'as capté, moi, je même pour la jeunesse, t'as capté, je me vois pas me balader avec un big gaz comme ça, tu vois, donc je sais pas ce que je vais faire. Il y aura du gaz, vous inquiétez pas. What the fuck, les frères, carrément, il y a une putain de teugro dans le bail. Non, c'est n'importe quoi. C'est ça qui est plutôt lourd. Ça part dans tous les sens et du coup, ouais, tu peux un peu te perdre et tout. Pas mal de trucs à voir, franchement, c'est vraiment pas mal. Putain de merde, franchement, je sais pas si vous allez voir tout ce qui se passe, les gars, mais en fait, le truc là qui est au milieu là, ce genre de gros truc, en fait, il me semble que c'était ça, genre la butte Chaumont en mode, enfin la butte de Chaumont du coup, et bah juste, enfin c'est incroyable, il y avait l'air d'avoir des passages à l'intérieur, je pense que tu pouvais monter tout en haut du sort de clocher qu'il y avait, enfin franchement, c'est incroyable, j'aurais aimé connaître cet endroit à l'époque, tu vois, quand tu pouvais te balader dedans, ça devait être archi lourd. Voilà, j'ai vraiment fait un petit tour rapide du parc et en fait, il y a vraiment des endroits, enfin des gens partout en fait. Littéralement, là, je suis dans un petit coin un petit peu plus tranquille, tu vois, il y a un peu moins de monde, donc je pense que je vais essayer de me caler là, on va essayer d'allumer cette terre. Franchement, c'est compliqué, c'est pas le meilleur spot pour venir bédave, les frères, je vous le dis tout de suite. Bon, juste avant que j'allume ce gaz, les gars, regardez où est-ce que je suis, là, je suis vraiment sur un petit spot, vraiment tranquillos, s'il y a personne à côté, des petits gens, enfin, qui promènent leur chien tranquille, tu vois. Et là, en fait, genre, je tombe sur ça, tu vois, moi, ça me rend ouf, frérot, parce que, enfin, c'est là que tu vois, Paris, c'est une ville, frérot, qui a une histoire de baiser. Carrément, il y a des trucs, tu peux te balader, ça fait plus de 100 ans que c'est là, tu vois, et moi, ça me rouvre ce genre de bail. Parce que, ouais, j'aurais kiffé savoir comment ça se passait avant, voir comment ça vivait, comment... Enfin, tu vois, comment tout ça, ça a été construit, comment ça a changé avec le temps et tout, c'est vraiment un truc que je kiffe. Et là, je suis en train de recevoir des gouttes de FDP, par contre, alors que j'avais trouvé le spot parfait pour s'allumer, il commence à faire des putains de gouttes, les gars. Bon, de toute façon, vous savez très bien, on est plus fort que ça, les gars, je vais essayer de vous poser, on va allumer ça tranquillement. Hein. Eh, en vérité, je suis pas peu fier de mon spot, les amis. La tête de WAM, franchement, on est dans un truc plutôt cosy de fou. En plus de ça, je suis pas le seul à m'être allumé ici, hein. J'ai vu, il y a des petits emballages de feuilles slim par terre, tout ça. On vous a cramé, les gars, putain de merde. Par contre, tous les gens qui font ça, les gars, franchement, pensez, il y a des poubelles, il y a des trucs et tout. Tu connais la nature, elle a rien fait. Ah, franchement, ça me rend ouf tout ça là parce que je vois, il y a des trucs par terre, des bails et tout, des trucs arrachés, frérot. Il a dû se passer tellement de choses. En fait, je sais pas, moi je suis matrixé dans le sens où, ouais, j'ai envie de voir, tu vois, ce qui s'est passé à des endroits, des trucs. Parce que t'as capté, il y a tellement de gens chelous et tout, je sais pas, là-bas, je vois carrément un petit trou en dessous d'un arbre et tout. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Tu te dis à tout moment, il y a un pélo, il a vécu là pendant 15 ans ou tu sais pas, tu vois. En fait, il peut se passer tellement tout et n'importe quoi, les gars, que moi ça m'intrigue tellement. Juste, tu vois une canette par terre ou des trucs, tu vois, ça me dit putain de merde, j'ai un pélo, il s'est mis là. Il s'est posé ou quoi, ils ont fait, enfin tu vois, il y a trop de bails et moi c'est ça qui me matrique surtout, je sais pas pourquoi surtout, parce que c'est vraiment un truc à la con, hein. En plus je suis un connard parce qu'à l'époque pendant les cours d'histoire, enfin j'étais le premier à pas suivre, tu vois, donc non, c'est fou quand même, ça me matrique, voilà, j'ai envie de partager ce petit truc. En tout cas là, franchement, les gars, le petit spot où je suis là, il est vraiment chill. Je vais vous montrer comment y accéder juste après. Comme ça, tous les gens qui voudront s'allumer là au parc des Buttes Chaumont, tout simplement, vous venez ici, les gars, c'est par là que ça se passe. Comme ça, même vous pourrez dire, je me suis allumé avec le SKRT ou quoi, d'ailleurs, tu sais quoi. Un petit truc pour tous les gens là qui voudront faire une photo, je sais pas, à côté de cet endroit ou quoi, tu vois. Voilà, comme ça, t'as capté, vous pourrez vous mettre ici en mode putain de merde, dans un univers parallèle, je me suis enfumé avec le SKRT, tu vois. God damn, non, c'est n'importe quoi, je suis trop fou à chaque fois. Il y a quand même du peuple, hein, regardez, il y a un petit vélo, il y a un petit vieux, il y a des gens qui promènent leurs chiens et tout, putain de merde, tu vois, c'est pour ça. En vrai, c'est vraiment pas le plus pratique pour smog dans ce genre de parc quand il y a pas mal de gens, je vous avoue, si tu veux pas déranger, bah c'est chiant, quoi. Bon, du coup, je vais vous montrer comment faire pour accéder au spot, les gars, pour ceux qui voudront revenir. Donc, je vais prendre le chemin retour. Bon, déjà, ça va être un bail pour moi aussi de retrouver la sortie, là, parce que je vous avoue, je sais pas trop par où c'est. Bon, je sais que par là où je suis arrivé, tu vois, c'est en montée. Et là, j'étais vraiment sur le bas du parc. Donc, bon, je vais me repérer comme ça. Hein.
Ouais, vous avez le petit point de repère là-bas, il y avait le petit, je sais pas, resto, je sais pas quoi, un bâtiment. Donc ouais, ça se situe vers la sortie. De toute façon, je vous mettrai un plan à peu près pour que vous voyez, les gars. Enfin voilà les frères, on arrive sur une fin de vlog. En attendant, si vous avez kiffé ça, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La propagande toujours, vous connaissez les gars, putain de merde, on est là, on est partout les gars. Donc voilà, je compte sur vous, like, commentaire, tout ça, on est ensemble les frères. Et puis en attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller vous gazer à des petits spots sympas. Ça change de d'habitude les frères, et sur ce, ciao bye Simia.